Exemple d'un rassemblement spontané. Nous sommes à quelques pas de l'avenue Bourguiba. Il est environ 13h. Ils sont des milliers de jeunes sans banderole, sans meneur. Face à eux, la police charge. Gaz lacrymogène contre jet de pierre. Pour éviter d'être poursuivis par les motards des forces spéciales, les manifestants fuient dans les rues parallèles où se forme instantanément un nouveau cortège. Le slogan est clair, Ben Ali doit partir. Nahna, on est des jeunes bien cultivés, on est des artistes. Les artistes tunisiens internes ont été tabassés l'avant-hier devant Masrah El Baldi. Ces personnes avec des bâtons sont des commerçants, ils craignent les débordements. Tous ont évidemment baissé leurs rideaux, mais les manifestants ne pensent eux qu'à fuir. La peur a envahi les rues de Tunis. C'est spontané, c'est ça ce qu'on veut. Les gens dans le monde entier doivent savoir que c'est une manifestation, c'est un uprising, comment dire. C'est un soulèvement spontané, public. Cet après-midi, les manifestations improvisées ont continué dans la capitale. Les appels au calme lancés par le président Ben Ali, tout comme la répression de sa police, n'y a rien changé. Le vent de révolte risque encore de souffler ce soir, malgré un nouveau couvre-feu sur Tunis.